Madame, voici les documents que vous avez demandés. Ok, juste dépose-les là. Bien, madame. Passez une excellente week-end. Je vous verrai le lundi. Rien du tout. On se voit demain. Madame, demain est le week-end. Et ça veut dire quoi, c'est le week-end? On a des choses à faire et on doit finir cela. Madame, je... Désolée, j'ai déjà mes plans pour le week-end. Eh bien, annule-les. Ça ne serait pas facile, madame. C'est le mariage de mon ami et ma présence est demandée. C'est une raison de plus pour que tu viennes travailler demain. Je veux dire, tout ce que tu vas faire à ce mariage, c'est manger, boire avec le couple, n'est-ce pas? Oui, madame. Elle est ma meilleure amie, madame. Oh, félicitations. Tu lui as dit de se préparer? Oh oui, madame, j'ai fait. Je lui ai dit qu'elle doit savoir comment bien prendre soin de son mari, l'aimer avec beaucoup d'attention et bien le traiter, madame. Je ne parle pas de cela. Je te demande si tu as demandé de se préparer pour le petit déjeuner. Ah, je veux dire le cœur brisé. Ah. Madame, pourquoi vous raisonnez comme ça? Vous ne lui souhaitez pas le bonheur? Bien sûr que non. Pourquoi je serais sceptique à son mariage? Mais tu sais comment les hommes sont. Ils trompent leurs femmes pour aucune raison. Madame, c'est pas tous les hommes qui trompent. Le mari de mon ami est un bon homme. Il ne va jamais faire ce genre de truc à elle. Oui, ma belle, c'est comme ça que tous ils se comportent. Jusqu'à ce qu'ils te fassent l'inimaginable. Celui-ci est différent. Je le connais depuis longtemps. Au fait, elle n'a jamais fait quelque chose pour lui pousser à tromper. Oh, mais elle n'a pas besoin de faire quelque chose pour se faire tromper. Les hommes trompent sans aucune raison. Tu peux être magnifique. Tu sais, aussi resplendissante que le soleil. Aussi brillante qu'une étoile dans le ciel. Avec le corps parfait. Et bien sûr, tu sais faire tout ce qu'une femme doit faire. Et il va te tromper. Et en plus, avec une fille qui ne t'arrive pas à la cheville. C'est pour cela que j'ai décidé d'être en couple avec mon travail. Et je vais te forcer à faire la même chose. Tout ça parce que je veux t'aider car je t'apprécie. Et je ne veux pas que tu fasses des erreurs stupides. Alors, tu viendras au boulot demain et c'est mon mot final. Alors, t'as pu avoir ce que je t'ai demandé? Oui. Le voici. Je crois que tout est bon, non? Dis-moi, tous les documents sont là, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je voulais dire non, je n'ai pas encore fini avec les documents. T'as pas encore fini de bosser là-dessus? Pourquoi? T'as pas reçu mes emails ce matin? Oui, monsieur. Alors pourquoi est-ce que t'as pas terminé? Oui, je travaille toujours là-dessus. Ça sera vite fait, ne vous inquiétez pas. Yo, oh, normalement tu étais censé avoir terminé. Je t'ai envoyé le travail à 6h, n'est-ce pas? Et il est 13h déjà. Étant donné que tu commences à 8h, tu devrais avoir fini. À quelle heure t'es arrivé au bureau aujourd'hui? C'est quoi ça, hein? Est-ce que t'as le Covid ou t'as la grippe aviaire? Non, monsieur. Alors, à quelle heure t'es arrivé au bureau? À 11h, monsieur. À 11h? Tu veux me dire que tu es venu au bureau à 11h? Est-ce que t'es sérieux, là? Alors, si je t'ai pas allé déposer ma nièce, que je t'ai venu directement au bureau, je t'aurais pas vu, c'est ça? Non, monsieur. Je ne t'aurais pas vu? Je suis vraiment désolé, monsieur. En fait, je suis allé à la fête d'anniversaire de la copine d'un de mes amis. Je suis désolé, monsieur. Donc, t'as tellement fait la fête que t'as oublié que tu devais venir au boulot? Hein? Que oui, tu devais venir au boulot, toi? Non, monsieur. En fait, à la fin de la fête d'anniversaire, il a demandé sa copine en mariage et cela a engendré une autre fête encore. Laisse-moi deviner. Quand il lui a demandé en mariage, elle a éclaboussé avec des larmes de joie. N'est-ce pas? Juste après, elle a montré son doigt avec l'alliance à tout le monde de la salle. N'est-ce pas? Exactement, monsieur. Oh, et ton pote se dit qu'ils vont vivre éternellement comme ça. Il est en train de vivre un conte de fées, ok? Ensuite, elle lui brisera le cœur et finira dans les bras d'un autre homme. Je ne pense pas qu'elle pourra faire ça, je suis sûr qu'elle sait. C'est ça, ils sont juste en train de se mentir, ok? Il verra plus cœur quand elle va lui briser le cœur.
Elles sont toutes les mêmes. Des Jézabel. Je vais pas continuer le travail, monsieur. Ouais, finis sur ce document. Bosse dessus, j'en ai besoin. Oui, monsieur. Rapidement. Je peux en avoir plus, s'il vous plaît. Merci. Merci. Salut. Salut. S'il te plaît, je peux avoir un verre de votre meilleur whisky? Allô, madame. Maintenant? D'accord. Oui, madame. Oui, madame. Au revoir, madame. Quel est ce genre de travail, non? Quelqu'un était posé pour le travail, mais cette fois-ci, c'est trop. Tous les jours, travail. À chaque fois que j'essaie de me relaxer, elle me dit de répondre aux emails encore. Je sais pas ce genre de travail que j'ai demandé. Quel est ce genre de stress, ça? On dirait que le travail vous fatigue. C'est ma boss, oh. Cette femme est un bureau de travail. À chaque fois que j'essaie de me relaxer un peu, elle me dit toujours de répondre aux emails. Demain que c'est le week-end, je suis supposée être au mariage de ma copine. Elle dit que je dois aller au travail. Très tôt. Je vous comprends parfaitement. Je sais ce que ça fait d'avoir un patron qui est trop zélé et demande assez. C'est pas croyable. Tu ne comprends pas. Sérieusement, tu ne comprends pas. Ma boss est un bureau de travail. Elle n'a même pas une vie en dehors du travail. Laisse-moi te dire un truc à propos de mon patron. Écoute, mon patron n'a pas d'enfant, pas de femme, ni de copine. Tout ce à quoi il pense, c'est le travail, le travail, le travail. Personnellement, moi, je pense qu'il a besoin d'une régulation qui pourra enlever ses idées un peu du travail. Bien. Sincèrement, nous sommes dans le même bateau. Ah ça, tu peux le dire. Désolé, excuse-moi. Je suis Boladi. Amanda. Ah, ravi de faire ta connaissance. Écris une lettre à Monsieur Bimpan. Pourquoi ton visage est comme ça? Rien, madame. Je sais que tu es énervée. Je sais que ça t'énerve que j'ai refusé que tu assistes au mariage de ton ami. Mais je le fais pour toi. Je sais qu'actuellement, tu es en train de penser que je suis une patronne horrible. Non, madame, je n'ai pas pensé comme ça. S'il te plaît, arrête de bouder. Quand on finira avec tout cela, je vais t'emmener dîner. Je sais que c'est ce que tu veux. Merci, madame. S'il te plaît, prends ce document et vérifie la comptabilité. Et j'ai également besoin du dossier de l'entreprise de technologie. Palomé, combien de fois je vais te demander d'arrêter de m'appeler? Je voudrais que tu arrêtes de m'appeler, ok? Arrête. Je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné il y a longtemps déjà. Mais jamais on reviendra ensemble, ok? Quoi? Attends, qu'est-ce que tu viens de me sortir là? Non mais tu te fiches de moi, est-ce que tu sais ce que ça fait? De voir sa fiancée dans un lit avec un autre homme,
Hein? Arrête avec ton ramassis de conneries. Non, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. Si tu m'aimais, tu n'aurais jamais couché avec un autre homme. C'est un fait. Ah, c'était une erreur, hein? Et si tu retournais faire cette même erreur, hein? Laisse-moi tranquille. Ne m'appelle plus jamais. Salut mesdames, comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Est-ce que je peux me joindre à vous? Je peux pas vous donner cette permission. Ma boss la peut. Ok. Oh, je peux bien me joindre à vous deux? Même pas en rêve. Eh ben, c'est juste pour avoir une conversation. C'est une belle journée, alors je voudrais bien qu'on apprenne à mieux se connaître, vous voyez? Qui es-tu pour que je sois intéressée de faire ta connaissance? Non, je suis vraiment désolée. Je m'appelle Charles. Et vous? Je ne suis pas intéressée par qui tu es, où tu travailles, où tu vis, comment tu mènes ta vie. Ça ne m'intéresse pas. C'est des hommes comme toi qui passent leur temps à courir derrière des innocentes femmes pour leur faire souffrir. Et Dieu aussi. Madame. Je sens pour elle. Tu parles de qui? J'ai mal pour elle. Elle a passé par beaucoup de choses. Son mari l'a trompée à 2 semaines de leur mariage. Ça l'a brisée complètement. Elle a presque commis le suicide. Et maintenant, elle ne veut plus sentir un homme. Comme je veux vraiment l'aider. Je veux qu'elle se... sans aimer encore. Je veux qu'elle soit heureuse. Elle est une très bonne personne. Écoute, j'aimerais bien partager un truc avec toi. Mon patron, il a eu le cœur brisé. C'était vraiment terrible et ça l'a beaucoup affecté. C'est ce qui a d'ailleurs fait que il est devenu insensible. Faire confiance à une femme pour lui, c'est impossible. Tu sais, la dernière fois que j'ai même dit à ma boss que je vais aller au mariage, cette femme a presque bouché mes tympans en me disant à quel point les hommes sont méchants. Qu'est-ce que tu regardes? Oh, rien. Regarde, j'étais en train de penser à ce qui pourrait être bénéfique pour nos patrons. Je ne sais pas. Tu sais quoi? Puisque nos patrons sont en train de prendre le travail pour compenser leur douleur et leur cœur brisé, pourquoi ne pas trouver un moyen pour qu'ils se rencontrent? Quoi? Ma boss, elle ne veut même pas entendre parler d'un homme. Ou même encore avoir une relation avec un homme. Juste oublie ça, je t'en supplie. Regarde. Je ne peux pas. Moi, je pense très sincèrement que ça pourrait marcher. Écoute. S'ils arrivent à se rencontrer et à sortir de temps en temps ensemble, ça pourrait nous accorder un peu de temps et plus d'espace, tu vois. Tu devrais y penser. Si je te comprends bien, cela veut dire qu'ils seront amoureux et heureux. Exactement. Passer moins leur temps au travail. Et on peut avoir notre propre temps. Oui, c'est exactement ça.
J'aime l'idée. Je t'assure, j'aime. Oh. Mais comment on va procéder à ça? Oh, c'est vrai, c'est vrai. Ok, j'ai une idée. Et c'est ce que nous allons faire. Entrez. Bolaji. Pourquoi est-ce que tu tousses? T'as le Covid? Non, monsieur. Suis-je en sécurité? Oh oui, ne vous inquiétez pas. Monsieur, quelqu'un a porté un colis. Qui? Je ne sais pas, c'était devant la porte, déposé juste là. Ah, c'est étrange, c'est pas mon anniversaire. Je crois que vous devez lire la carte qui est dessus. Peut-être le nom de la personne y est. Le niveau ne t'a pas dit qui était à l'origine de tout ça. Tout ce qui est écrit ici, c'est ton admiratrice secrète. Non, monsieur. N'importe quoi. Enlève-moi ces déchets de ma table tout de suite, admiratrice secrète de mes deux. Elle était où lorsqu'on était en train de me tromper, hein? Hein? Elle était où, cette admiratrice? Enlève ça de mon bureau. Ok, monsieur. Et la prochaine fois que tu m'amènes un truc comme ça, je te renvoie. Je suis désolé, monsieur. Sors ça d'ici. Monsieur, où est-ce que je dois le déposer? Tu voudrais savoir où mettre ça? Non. Mets-le sur ma tête. Vas-y, mets ça sur ma tête. Je m'en contrefiche de comment est-ce que tu vas garder ou où est-ce que tu mettras ça. Garde ça pour toi si tu veux. Mais sors-moi ça d'ici. Désolé, monsieur. Mais monsieur, ce n'est pas... désolé. Madame, pour vous, madame, ce n'est pas mon anniversaire. Pourquoi tu as acheté des fleurs? Oh, ce n'est pas moi, madame. C'est une personne inconnue qui a déposé ça à la réception. Peut-être, mais elles ne sont pas à moi. D'accord, madame. Amour est un sentiment qui change avec le temps. Mais cela ne va pas se passer avec moi. Parce que ton amour est comme ma vie. C'est ma parole juste pour dire, je t'aime. Un administrateur secret. Et tu as osé m'emmener ça. Quelqu'un l'a déposé et tu as pris toute ton audace pour venir me l'apporter. Amanda. Je suis désolée, madame. Je n'avais pas lu ce qu'il y a écrit. Et maintenant, si c'était une bombe? Madame, ce n'est pas une lettre à bombe. C'est juste une simple carte et un bouquet. T'ai-je déjà dit que je suis prête pour cela? Fais sortir ces bêtises de mon bureau. Maintenant. D'accord, pas de soucis. Vraiment désolée, madame. Laisse-moi essayer. Allô, Bolachi. Quoi de neuf? Comment ça a été? Salut, Amanda. Oh, pas du tout, hein. J'ai même failli perdre mon boulot parce que j'ai donné ce cadeau à mon patron. Moi aussi, oh. Kimberly presque abattue. Elle a déversé toute sa colère sur moi, à cause du bouquet et la carte.
Ah, ça sent pas du tout bon pour nous, hein. Mais on doit tout faire pour trouver un moyen pour qu'ils puissent se rencontrer. Je pense que j'ai une idée. Ok, vas-y, je t'écoute. Bien, nous pouvons... On peut arranger un rendez-vous pour eux. Hey. Non. Je ne peux pas prendre ce genre de risque. Mon patron va personnellement saisir ma lettre de renvoi tout en mentionnant tout ce qui lui est arrivé pendant le rendez-vous. Allez, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne peux pas aller trouver ton boss et lui dire de sortir avec ma boss. Nous pouvons actuellement faire paraître c'est comme si c'est une coïncidence. Oh, vraiment? Alors, comment ça va se faire? Oh, madame. Oui? C'est presque le temps du déjeuner. Ok. Madame, vous me devez toujours un déjeuner. Vous vous rappelez du déjeuner de la fois passée, ça a été court. C'est vrai. T'inquiète pas, une autre fois on ira et tu vas manger tout ce que tu veux, ok? Non, madame. J'aimerais que nous puissions avoir le déjeuner ensemble. Suis-je obligée de t'accompagner? Oui, madame, vous m'avez promis, vous vous souvenez? Oui, je l'ai fait parce que c'était la fin de semaine. Là, nous sommes au milieu de semaine. J'ai beaucoup de travail à faire. Je n'ai pas le temps pour ça. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment que nous puissions avoir le déjeuner ensemble. Ça serait un honneur pour moi et le meilleur moment d'avoir le déjeuner avec vous. Ok. Vu que tu insistes, je vais aller avec toi. Donne-moi quelques minutes. D'accord, madame. Merci, madame. Je t'en prie. Il y a un client qui aimerait nous rencontrer. Il sollicite une réunion dans un restaurant du quartier. C'est quel client ça? Celui de UEV Construction. Oh, ok. Mais pourquoi est-ce qu'il ne vient pas ici? Oh, il avait dit qu'il avait un vol urgent à prendre, donc il aimerait nous rencontrer là-bas et ensuite repartir. Ok, très bien. Dans quel restaurant? Il m'a envoyé l'adresse, mais nous devons être là-bas avant 13h. 13h? Oui, monsieur. Mais il est déjà 12h30. On doit y aller. Oui. Aucun serveur. Elle. Je reviens tout de suite, je vais vite aux toilettes, ok? D'accord, madame. Bonsoir. Monsieur, j'arrive dans un instant. Ok. La voilà. Oh. Bonjour. Oui. Manager, regardez. Nous sommes ici pour 10 minutes. Nous voulons que vous fassiez quelque chose. Ok, donc comment est-ce que je peux vous aider? Alors, nous voulons que vous nous aidiez à mentir à nos boss qu'ils ont gagné du déjeuner gratuit dans la VIP. Mentir? Oui, mentir. Quoi mentir? On peut juste leur dire d'avoir un dîner dans la salle de VIP. Ah. Écoutez, s'il vous plaît, ils ne vont vouloir jamais s'asseoir ensemble. Nous voulons juste que vous nous aidiez pour que ça ressemble à une coïncidence, s'il vous plaît. Ok, je peux faire ça facilement pour vous. D'accord. Mais ça sera très cher. Ah oui, bien sûr que nous le savons. Nous allons payer pour tout ce qu'ils prendront et aussi vous remercier pour le stress. 10 000 naira. Oui. C'est peu, désolé. Ah ah. Ok, maintenant, combien voulez-vous? Je veux une bonne somme. 30K. Ça, c'est beaucoup, non? Ok, vous savez quoi, nous allons ajouter 5K. C'est ce qui m'arrange, tu veux ou pas? Ok, c'est bon, on accepte. C'est pas un souci. Ok, c'est pour cela que j'aime faire business avec les hommes. Ils ne parlent pas beaucoup. Mmh.
Bonsoir, monsieur. Bonjour. Excusez-moi du dérangement. J'aimerais que vous participiez à notre tirage de sort pour avoir un dîner gratuitement dans notre salle VIP. Oh, vraiment désolé. Je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour un business alors. Je sais ça, mais tentez juste votre chance. On ne sait jamais. Une prochaine fois, mademoiselle, d'accord. Là, je suis un peu occupé. Dis-moi, où est-ce que tu étais? Désolé, monsieur. J'étais allé vérifier voir si le client était dans les parages. Mais elle vient juste de m'appeler pour me dire que ça ne pourra plus tenir. Quoi? Il nous a juste fait perdre notre temps. Je suis désolé, monsieur. Quoi? Vous pouvez, monsieur. Ok, il n'y a pas de mal à vouloir essayer. Alors, comment est-ce que ça marche? Je l'ouvre ou quoi? Oui, attendez, okay. Je vais vous aider. C'est vraiment ridicule tout ça. Il aurait dû venir au bureau d'abord. On a fait tout ce chemin pour se pointer ici et après il ne vient pas. Oh, monsieur, vous avez eu un plat gratuitement. Oh. Oui. Wow, félicitations, monsieur. On était là pour le business, mais voilà que vous avez une très bonne surprise. Ouais, je pense que c'est une bonne chose. Venez avec moi dans la salle des VIP, s'il vous plaît. Ok, très bien. Ok. Par ici? Oui. Mesdames, participez au tirage au sort pour avoir un plat gratuitement dans la salle VIP. Ah ok, qui n'aimerait pas un repas gratuit? Désolée madame, vous allez devoir essayer une prochaine fois. Oh, je vais essayer prochainement. Madame, vous avez eu un plat gratuitement. Oh, sérieusement? Oui. Pourquoi je ne suis pas surprise? Je pense que la chance m'accompagne. On y va, s'il vous plaît. Oh, bien sûr. Je suis désolée, ma belle. Je vais laisser. Qu'est-ce qu'il fait assis à ma table? Lui aussi l'a participé au tirage, je sors. Je pensais pas que j'allais manger avec quelqu'un. Non, la nourriture est pour deux clients. Vu que vous l'êtes seul, je vous suggère de prendre vos affaires et de partir. Quelqu'un doit s'en aller? C'est fou. Pourquoi devrais-je partir? Je mérite cette table. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai pas le même droit? Hein? C'est ce que vous me dites? S'il vous plaît, monsieur, ça va. Ça va. Je pense que vous allez vraiment aimer le plat. S'il vous plaît, donnez-moi une minute. Une seule minute. J'arrive. Asseyez-vous, madame. Asseyez-vous. Donnez-moi une minute. Une minute. Une minute. J'arrive, s'il vous plaît. S'il vous plaît, asseyez-vous. But I know I want you for life. You make a man go crazy. J'espère que tout aille bien. J'espère aussi parce que ma boss, elle n'est pas facile à pranker. J'espère que mon patron puisse changer ça. J'espère aussi. Waouh, cette nourriture sent très bon. Et ça a l'air appétissant. Merci. Bon appétit. Merci. Pourquoi regarder la nourriture comme ça? Est-ce que c'est pas gratuit? Vous les femmes, vous aimez trop la gratuité. Je suis sûr quand même avec de la cola. Et dire que c'est sucré juste pour de l'argent. Excusez-moi? Est-ce que c'est faux? Hein? Est-ce que vous les femmes, vous ne cherchez pas un homme sur lequel vous reposez? Ah! Attendez une minute. Donc vous pensez sincèrement que toutes les femmes que vous allez rencontrer dépendent d'un homme? Oh, absolument. Une fois qu'un homme a de l'argent, vous vous jetez sur lui, on dirait des mouches. Je n'ose même pas imaginer le genre de femme que vous fréquentez. Non, s'il vous plaît, vous êtes toutes pareilles. C'est juste le prix qui est différent. Écoutez, je ne vais pas rester assise là et vous laisser m'insulter. Avec votre air arrogant et bon à rien, je...
Vous n'êtes qu'un homme ennuyeux à cause d'un repas que je peux me payer. N'importe quoi. Profitez de votre repas. Oh, merci. Je vais vraiment me régaler. Allons-y. Je n'aurais pas supporté la présence de cet homme 2 minutes de plus. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Vous n'avez rien dit quand vous avez quitté le restaurant. Il m'a sincèrement tapé sur les nerfs. Qui est-ce? Il y avait quelqu'un d'autre sur ma table quand je suis arrivée. Ah, oh, je pensais que c'était juste pour une seule personne. Oui, je le pensais aussi. Tu sais quoi, ce n'est pas le sujet. Cet homme m'a vraiment mis hors de moi. Madame. S'il vous plaît, madame. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Peux-tu imaginer qu'il m'a appelée profiteuse? Il a osé me dire à moi que je suis une profiteuse. Car selon lui, j'étais contente à cause de la nourriture gratuite. Moi, je travaille dur pour mon argent, sans dépendre d'un homme. Et il m'appelle profiteuse? Pourquoi il a dit ça? Est-ce que je sais? Je suis sûre, il n'a pas voulu dire ça, madame. Qu'est-ce que tu veux dire, il ne le pensait pas? Tu es en train de prendre sa part? Donc c'est à cause des femmes comme toi que moi, une femme travailleuse, je reçois ce genre de réputation, n'est-ce pas? Non, madame, j'ai pas voulu dire ça de cette manière. Au lieu de me rejoindre pour insulter quelqu'un qui a insulté ta patronne, un homme incapable m'a traité de profiteuse et toi tu me dis ne le pensais pas? Je suis désolée, madame. Tu as intérêt. Moi. Madame, il m'a appelée profiteuse. Sait-il comment je travaille dur? J'hallucine. Madame, je serai dans mon Tu pouce. Sors de nulle part et tu me traites de profiteuse. Est-ce que je te connais? S'il te plaît, par sort. Merci, madame. Il ne le pensait pas. Il ne voulait pas dire ça. Hey! C'est probablement que ceci ne va pas marcher. Juste leur première rencontre, mais ils ont transformé le restaurant. Je ne peux pas, comme. Je pense que ton patron ne devait pas craquer de la sorte. Oui, ma boss est une dure à queue. Mais ton boss est vraiment impoli. Oui, et c'est sûr, ma boss lui déteste. Mais c'est toi qui disais que ton patron ne laisse pas de temps aux hommes. Oui, mais ce qu'elle a pour ton boss est double. Ton boss est vraiment impoli. Regarde. Ce dont nous avons besoin actuellement, c'est un très solide plan pour les amener ensemble. Ah, regarde, moi, je ne vais pas perdre mon travail. Et d'ailleurs, ma boss ne va plus accepter de la nourriture gratuite encore. Ah, calme-toi, Amanda. Tu ne peux pas abandonner maintenant. C'est toi-même qui as dit que nos patrons doivent être heureux. Ok. Il y a un truc. Entre ce que vous faites dans votre entreprise... Et ce que nous faisons aussi chez nous. N'y aurait-il pas un moyen d'effectuer une transaction d'affaires? Madame, voici le contrat pour le projet de Degagon Stage Construction. Ici, madame. S'il te plaît, va au département de comptabilité et dis-leur de leur envoyer l'argent immédiatement. Nous avons 2 semaines pour conclure cette affaire. Nous ne pouvons pas retarder. D'accord, madame. Et tu me les imprimes. D'accord, madame. S'il te plaît.
Salut Bolachi. Alors, je viens d'avoir la signature de ma boss pour votre contrat. Oui, mais ne célébrons pas encore, d'accord? Jusqu'à ce qu'ils acceptent de travailler ensemble. Ok, alors je prépare un rendez-vous avec votre compagnie à 16h. Ne venez pas en retard, d'accord? Entrez. Bonjour, Bolaji. Patron, j'ai de bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle. J'espère que ça vient avec de l'argent. Oh oui, boss, effectivement que ça concerne l'argent. Parce qu'en ce moment, c'est seulement l'argent qui attire mon attention. Je sais. Désolé, je ne vous en avais pas parlé, mais j'ai reçu un contrat au niveau des entreprises de la cité. Ah, patron, ce n'est pas seulement à cause du contrat, mais la secrétaire vient tout juste de m'appeler qu'ils nous feront la transaction de 70% des fonds à la fin de cette journée. T'es sérieux là? Je suis sérieux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis sérieux, chef. Au moment où nous parlons, ils veulent avoir une réunion avec nous aux environs de 16h. Oui. Ils veulent nous rencontrer? Oui, oui, okay, monsieur. Ok. À quelle heure alors? C'est 16h, monsieur. Ok. Très bien. Et si tu m'attendais dehors, j'arrive. D'accord, patron. Merci. Très bon boulot. Bien joué. Merci beaucoup. Serre-moi la main. Merci beaucoup, monsieur. Je suis désolée de vous déranger, madame. La compagnie qu'on vient de signer le contrat avec sont ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous avons décroché le contrat de construction. Excusez-moi, mon nom est Bolaji Johnson et voici mon patron, monsieur Leonard. Ce nom n'est pas sur le contrat. Oui, madame. Étais-je même au courant de ce contrat? Étais-je informé de ce contrat? Oh oui, bien sûr que si. Je l'ai soumis personnellement. Oui, madame, ils ont répondu à toutes les demandes dans le contrat. Amanda, tu m'as laissé signer un contrat d'une compagnie dirigée par un arrogant, un bon à rien, un homme incompétent. Hey, ça suffit. Ok, je vous arrête tout de suite. Vous pouvez m'insulter comme ça vous chante, mais je suis pas un incompétent. Vous devriez vous estimer heureuse que notre compagnie ait accepté ce contrat. Amanda. Oui, boss. Va dans ton bureau et change le nom de l'entreprise sur le document au nom d'une autre entreprise. Je suis désolée, madame, mais je les ai déjà transférés l'argent du contrat. Tu as fait quoi? Madame, vous m'avez ordonné d'aller dire au comptable de transférer de l'argent dans leur compagnie. Immédiatement, madame. Je veux un remboursement. Clairement, votre entreprise ne peut pas assumer ce contrat. Alors là, c'est non. Nous sommes assez doués. Ok? Essayez de nous reprendre ce contrat et je vous poursuivrai. Vous avez ma parole. Vous avez intérêt à faire du bon boulot. Oh, nous sommes excellents dans le domaine. Je dirais tout le temps. Je suis vraiment désolé, madame. Hé hey, quelle est la signification de ces choses stupides que vous avez designées? Est-ce pour cela que je vous ai payé? Et n'insulte pas mes conceptions, ok? Je sais que t'as un problème personnel avec moi, mais je t'interdis de traiter mon travail de médiocre. Je suis un professionnel, fournissant l'excellence à n'importe quel moment. C'est ce que vous appelez excellent? Même mon petit-neveu, qui vient à peine de rentrer en maternelle, peut faire mieux que vous. Je veux dire, quel genre de design c'est? Ce n'est pas ce que nous voulons. Mais ça, c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de bon design. Tu pensais que nos designs étaient comme les amateurs que vous avez eu l'habitude de consulter, hein? C'est du haut niveau, ça. Nous, on propose du haut niveau. Ok, c'est très clair. Votre arrogance est bien plus gros que votre cerveau. Je crois que j'en ai assez. Je compte pas rester plus longtemps et me faire insulter par une femme qui est clairement frustrée par la vie. C'est intolérable. Mais où allez-vous? Je retourne au bureau.
Là où je suis apprécié et mon travail est pris au sérieux, là-bas des clients apprécient mon travail. Patron, vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi ? Vous êtes un professionnel. Ça ne sera pas professionnel de votre part de quitter un client parce qu'il s'est plaint. Oh, pourquoi vous êtes toujours là ? Qu'est-ce que vous attendez ? Faites-moi plaisir et partez. S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, vous allez me faire le plaisir de renvoyer mon argent dans mon compte bancaire. S'il vous plaît, on doit juste trouver un moyen pour arranger ça. Eh bien, il n'y a pas de solution à propos de ça. La seule solution, c'est que votre compagnie renvoie mon argent avec des intérêts pour avoir perdu mon temps. Patron, allez-vous faire ça? Allez-vous juste partir sans toutefois satisfaire votre client? S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, pouvez-vous travailler dans la paix comme ça le travail peut avancer? S'il vous plaît. Exactement. Même si possible, vous pouvez vous approcher l'un de l'autre. S'il te plaît. Je ne peux pas travailler dans le même endroit que cet homme. Je suis d'accord avec l'idée de Bozadji. De cette manière, vous pouvez voir son travail et l'aider à mieux faire. Bozadji ici peut partager mon bureau avec moi. Et nous pouvons avoir les yeux sur ce que vous devez vous faire. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, monsieur. Ceci va être une situation gagnant-gagnant par tout le monde. Je suis un homme mature. Perso, ça ne me dérange pas. Mais si elle y trouve un problème, moi, je ne peux pas la forcer. Eh bien, je suis également mature. Mais cela peut juste marcher si vous suivez mes règles. Le fait que j'ai accepté de travailler avec vous et votre entreprise ne fera pas de moi votre esclave. Non, mais on est où, là? Genre, je suis ton prisonnier. Tu te prends pour qui? Comme je l'ai dit, la seule manière pour que ça marche, c'est si il écoute les règles que je lui donne. Sinon, ça ne marchera pas. Excusez-moi. Non, mais est-ce que tu vois le degré d'arrogance? Le manque de respect? Notre plan est en train de fonctionner. Je suis tellement excité. Maintenant, ils seront obligés de travailler ensemble. Tu sais, j'ai trop hâte de les voir travailler ensemble. Moi aussi, oh. Je vais organiser une fête pour eux s'ils finissent ensemble. Et s'ils se marient? Tu me fais rêver là. J'ai offert le sponsor du mariage. Tu vois les vaches que les marchands vendent au marché bien en forme là. Moi, je vais doubler ça. Je vois que ton patron te paye assez d'argent, n'est-ce pas? Je l'aime juste. Hey. Oui. Hey, j'aime ça. Hey. Pourquoi vous prenez mes biscuits sans demander? Oh. C'est une erreur. Une erreur? C'est du vol. Du vol? Tu m'as littéralement vu le prendre. Comment serait-ce du vol? Vous ne m'avez pas demandé de permission, alors c'est du vol. C'est juste un biscuit, ok? C'est pas si sérieux, d'accord? Ok, tiens. Je te le rends. C'est pas si sérieux. Alors comment osez-vous déposer un biscuit que vous avez déjà mangé dans mon bol? Quoi? Tu ne le veux plus maintenant? Prenez-le, s'il vous plaît. Ah, que je le récupère maintenant? Oui. Je pensais qu'il y avait un problème parce que je l'ai pris. Prenez-le. Que je le reprenne. Wow. Attends, tu sais quoi? Je vais juste l'enlever. C'est bon? Monsieur, nous partons manger. Que voulez-vous qu'on vous ramène? Eh bien, comme d'hab, du riz et du poulet. Ok. Ouais. Et vous, madame? Comme d'habitude. D'accord, madame. Ah, monsieur, je vois que tout va bien. Bah, moi, j'ai le problème avec personne, moi. Ok? J'ai pas de problème, zéro problème. Et si des gens ont des soucis avec moi, ça, c'est leur affaire. Je veux juste finir mon travail et partir. Alors là, je n'attends que ça. Je suis tellement impatiente que vous finissiez votre boulot et que vous quittez mon bureau. Biscuit. Super, c'est super. Cool. D'accord. Ah, c'est prêt? Oui. Tu n'as pas pris de plantain pour mon patron, j'espère. J'ai acheté un peu. J'ai acheté 5 pour ma boss. 5? Ah, c'est pas beaucoup trop?
Ce que j'ai payé la même pour ma boss aime le plantain. Parfois, je me demande si elle fait partie des singes. Cette femme aime beaucoup le plantain. J'espère seulement qu'elle peut se débrouiller avec ça parce qu'ils disent que le plantain est fini. Il y a quoi? Quoi tu penses? Regarde, tu sais que le partage connecte les gens ensemble. Alors, pourquoi ne pas donc, tu sais, prendre les plantains du repas de ton boss et les mettre sur les repas de mon boss? Ah, je peux pas faire ça où? Regarde, c'est très simple. Puisque les plantains seront sur la nourriture de mon patron, elle sera forcée de lui demander. Comment tu es sûr que ton boss va donner un peu à ma boss? Mon patron est un gentleman. Il va sûrement partager avec elle. Allez, c'est juste, il faut repartir avec la nourriture et dis-leur de réarranger les plats, s'il te plaît, d'accord? Avec ton plan, là, je veux pas qu'elle me renvoie, oh! Fais vite, d'accord? C'est compris. Ok, s'il vous plaît. Pouvez-vous m'aider à leur dire? Patron, voilà pour vous. Ouais, tu peux poser ça là. Amanda, pourquoi mon repas est comme ça? Où est ma banane? Qu'est-ce que... Bon, j'ai dit comme d'habitude. Ça, ce n'est pas comme d'habitude. Regarde, je ne peux même pas voir le riz, il n'y a que des plantains. Je suis vraiment désolée, madame. Le restaurant n'avait plus de plantains après avoir servi pour lui. Pas grave, tu peux prendre pour moi. Il y en a trop dans mon assiette. Non, s'il vous plaît. Après, c'est pour m'insulter. Merci. Je ne ferai jamais une chose pareille. Je ne ferai pas l'erreur de prendre quelque chose qui vous appartient. Waouh, c'est comme ça que tu... Ok. Ok, oh. Très bien. Il y en a clairement trop de plantains. Bon sang, beau. Désolé, monsieur. Je vais les prendre juste par pitié. Parce que je sais que vous ne les voulez pas. Et parce que je suis un enfant de Dieu. Mmh. Et la parole de Dieu dit, soyez en paix avec tous les hommes. Mmh. Ouais. Si vous voulez les manger, mangez-les. Non, apporte ton assiette. Je voudrais pas gâter ton ordinateur. Rapproche-toi un peu, s'il te plaît. Que je puisse bien mettre ça dans ton assiette. Tu sais quoi? Plutôt passe la main. Ok, est-ce que je vais... Ça a l'air plus compliqué que ce que je pensais. Je vais pousser ça un peu. Je vais te donner toutes les bananes que j'ai ici. Il y en a clairement trop. Tout? Ouais. Vous ne voulez pas un peu de bananes? Non, tu peux les avoir pour toi. S'il vous plaît, je ne vous ai pas obligé à me le donner. Évidemment que tu m'as pas supplié pour ça. Je te les donne volontairement. Je te les donne en tant que gentleman, ok? Je suis un gars sympa. Dieu merci. Au moins, vous savez. Et voilà. Tiens. Fais-toi plaisir. Comment comptes-tu finir tout ça? Il y en a beaucoup. Dieu merci que je ne vous ai pas supplié pour cela. Tu comptes pas me dire merci? Merci. Hein? J'ai pas entendu. Oh, ça, c'est votre problème. Je l'ai dit. C'est vraiment délicieux, hein? Ah, je te dis. J'aimerais pouvoir voler leur recette. Attends, tu ne sais pas préparer? Bien sûr, je peux préparer. Quelle femme qui ne connaît pas préparer? Laisse-moi te dire quelque chose. Moi, j'ai vu des femmes qui ne savent pas préparer. Alors, elles font comment pour nourrir leur mari et leurs enfants? Ah, mais toi-même, tu sais, il y a assez de restaurants et des fast-foods où chercher de la nourriture. Je ne permettrai à personne de préparer pour mon mari. Je vais préparer pour lui dans la cuisine et je vais en finir avec lui dans l'autre chambre. On dirait une femme au foyer. 1000 mètres! Ah, bah, dis donc! En fait, je voulais te demander quelque chose. Tu es cool,
tu es sympa, même tu compatis. Et alors, comment se fait-il que... Pourquoi je suis célibataire? Oui, exactement. Pourquoi es-tu seule? Est-ce parce que tu ne vois pas les hommes ou ils ne te voient pas? Mon frère, nous ne sommes pas vus. Mais, honnêtement dit, ce n'est pas comme je n'ai pas les hommes qui demandent à sortir avec moi. Mais je suis juste prendre mon temps, tu sais. Tu sais, cette chose appelée amour n'est pas quelque chose qu'on doit se précipiter avec. Oui, je te comprends en fait. Tu sais, juste, je vois que tu te laisses guider par ton cœur. Et c'est de la même manière que je le fais aussi. Et je crois bien que c'est bon. Ah, mon frère, assure-toi de m'acheter du pain. Oh. tu es une comédienne. Voyage de l'amour, tu payes pain pour moi, non? Pourquoi? Ah, c'était vraiment un bon repas. Ah. Ok. On se remet à bosser. Pourquoi vous avez fait ça? De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi vous êtes si gentil? Je fais pas le gentil, je suis juste moi. Pourquoi vous essayez de faire ça? Je veux dire... Attends, je comprends pas, qu'est-ce que tu essayes d'insinuer là? Donc, vous pensez que parce que vous m'avez donné la banane et vous avez jeté mes restes, je vais accepter ce design médiocre que vous avez fait? Oh, je vois. Tu crois que je fais semblant d'être gentil pour que tu acceptes mes magnifiques designs? Hein? Je suis juste moi, ok? Je suis un gars vraiment sympa. C'est de l'ironie. Non, je suis sérieux. Si t'apprenais à me connaître, tu te rendrais quelque chose de gentil. Je ne suis pas intéressée à apprendre à vous connaître. Alors que vous soyez galant ou pas, ça ne me regarde strictement pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne vais pas tomber dans votre jeu parce que tous les hommes mentent. Oh, et c'est reparti. C'est tellement cliché. Tous les jours, les hommes ceci, les hommes cela. Et vous, vous êtes jamais concernés. Genre, c'est toujours de notre faute. Bien sûr que ce n'est pas la faute des femmes. Parce que les femmes ne passent pas leur temps à tromper sans raison. Tu sais quoi? Il n'y a que des tarés pour voir un amant véritable. Et le prendre pour acquis. Parce qu'honnêtement, tout ce que je veux, c'est d'une femme qui m'aime. Pas pour ce que j'ai dans les poches. Mais pour qui je suis. Tu vois? Trouver le véritable amour est extrêmement difficile. Non, je vais vous dire ce qui est dur. Ce qui est dur, c'est de trouver un homme fidèle. Tu leur donnes ta vie, tes moyens, ton énergie, ton temps. Et comment ils te récompensent? Ils passent ton temps à te tromper et couchent avec ta meilleure amie. Je suis désolée. Non. C'est rien. T'inquiète. Tu sais, j'ai expérimenté ce genre de situation déjà et je sais ce que ça fait. C'est tellement compliqué. Tellement difficile de guérir de cela. Surtout quand tu as construit ta vie autour de cette relation de couple. Je comprends totalement ce que tu ressens, d'accord? Mais... on ne peut pas rester accroché aux douleurs du passé, tu comprends? Notre futur rayonne tellement. C'est pourquoi on ne peut pas laisser les douleurs du passé venir tout gâter. Qui aurait pensé que l'homme le plus arrogant est carrément une belle personne et qu'il a un grand cœur? Évidemment que j'ai un cœur et je suis un gars sympa. Tu sais, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient mauvais complètement. C'est juste qu'avec les circonstances... les gens changent à cause de ce qu'ils ont traversé. Retournons au travail. Ouais.
Non, mais qu'est-ce que tu fous ici? J'étais dehors, je t'attendais. Pourquoi est-ce que t'es passé par derrière? Qu'est-ce que ça veut Mona, dire? S'il te plaît, on doit parler. Écoute-moi, combien de fois je t'ai déjà dit de ne pas te repointer ici, hein? Je ne veux même pas te voir. Ta maison est la mienne. Pas cette maison. Tout ce que je veux, c'est que tu sortes d'ici et que tu retournes d'où tu viens. Sors d'ici. Il se fait tard. Hey, ne me touche pas. Je me fiche qu'il soit tard. Je t'ai pas invité. Fallait dire à ton gardien de ne plus me laisser rentrer chez toi. Mais pourquoi tu me traites comme ça? Pourquoi tout ce comportement? C'est ce que tu appelles être méchant? Tu penses que je suis une mauvaise personne? Si vraiment j'étais méchant, je t'aurais cassé la figure avec ton amant ce jour-là. Je ne sais pas comment te le dire. Je suis désolée, Ronald. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'aime vraiment. Toucher. Enlève tes mains. N'ose même pas t'approcher de moi encore. Dégage. Sors. Je veux pas te toucher. Ni te faire du mal. Mais sors d'ici. S'il te plaît, sors de ma maison. S'il te plaît. Retourne d'où tu viens. Savirou harcèlement. Bonjour. Hey Kimberly, comment tu vas? Je vais bien, comment tu vas? Je vais très bien, et ta nuit? Bonne, et la tienne? Elle était plutôt pas mal, horriblement bonne. Ok, tu as quelque chose de nouveau? Oui, j'ai des nouvelles maquettes à te montrer, voilà pourquoi je suis venu. Ici, on voyait ça à l'intérieur. Oui, bien sûr. Les dames d'abord. Ok. Oh mon Dieu. Aïe. As-tu vu la manière dont ils souriaient quand ils se parlaient? J'ai vu, oh. Je suis contente pour eux. Je pense que je dois aller pour le test de sang. Un test de sang? Es-tu sérieuse? Bien sûr, non. Mais avec la manière dont mon ventre me fait maintenant, je pense que mon taux de sucre a augmenté. Ah, cela voudrait dire que le mien aussi va augmenter. Hein? Ah, mon cher, allons travailler. À part vouloir l'union de nos boss, on a toujours du travail à faire. Ça, c'est vrai. Je crois que je dois repartir au bureau. Oui. Qu'est-ce que tous ces papiers font encore ici? Qu'est-ce que c'est? C'est juste cette plaie que j'ai reçue du livreur la fois passée. Oh, une nuit de jazz. Uh-huh. Je suis sûr que mon patron va adorer ça. Ah. Oh, ton boss aime la musique de jazz. Hein. Quelle coïncidence. Ma boss aussi aime la musique de jazz. Elle ne s'amuse pas avec. Tu es sérieuse? Uh-huh. J'ai une idée. Monsieur Idé. Non, je suis sérieux. Je sais que ça va marcher. Tu peux me croire sur parole. Viens. Allez, viens. Ce que nous allons faire. Ah, quoi de neuf? Ils sont toujours pas arrivés. Non, ils ne sont pas encore là. On va attendre. Ah, tu es sûr qu'ils vont se présenter? Ah, mais... Je ne peux rien dire concernant ta patronne, mais je connais mon patron. On parlait de mon patron. Il vient d'arriver. Maintenant, la question, est-ce que ta patronne t'a rassuré? Je pense bien. Tu vois, ma boss vient juste d'arriver. Es-tu sérieuse? Oui. Et maintenant, la table est installée. Je souhaite que juste ce truc les mise ensemble. Je ne te le fais pas dire. Si ça aussi ne marche pas, on aura quand même fait de notre mieux. Nous avons fait de notre mieux. Au fait, partons d'accord avant qu'ils ne viennent ici. Allons. Oh, salut. Hey. Tu me suis ou quoi? Je devrais... C'est à moi de te demander ça. S'il te plaît, assieds-toi. Oh, merci. C'est à moi de te poser la question, quoi. Tu aimes le jazz? Si j'aime le jazz, je suis amoureuse du jazz. Wow. Mm-hmm. Tu sais... T'as pas la tête de quelqu'un qui écoute du jazz, tu vois? Eh bien, il y a beaucoup de choses que j'aime et que les gens pensent que je n'aime pas. Waouh, c'est très bien.
Hier, je voulais bien t'inviter, mais je ne savais pas que tu aimais la musique jazz. Sérieusement, je ne suis là que pour ça, alors amusons-nous ce soir. Ouais. Où est-il? Oh, il devrait se montrer d'un moment à l'autre. Oh. Mais tu sais, moi, je peux être impatient. Puis-je t'offrir un verre de vin? Oh oui, bien sûr. Oh, ok. Waouh, je me suis tellement amusée ce soir. Le saxophoniste était très talentueux. En effet, il était parfait. Je me suis vraiment amusée. Ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas amusée comme ça que j'avais complètement oublié ce que ça faisait. Moi également. Je pense que je devrais sortir plus souvent. Oui, on ne peut pas juste travailler. Parfois, il faut savoir s'amuser. Ça nous permet de reprendre des couleurs. Tu as raison. Depuis ce qui s'est passé avec mon ex, eh bien, je me suis totalement déconnectée du monde. Mais les choses vont complètement changer maintenant. Comme tu as dit, je ne devrais pas laisser les ténèbres éteindre ma lumière. Exactement. Notre futur est tellement éblouissant que... Oh, il me faut des lunettes de soleil. Oh, c'est trop brillant. Oui, nous brillons comme le soleil. Le soleil? Le soleil lui-même vient emprunter chez nous. Tous les jours, s'il vous plaît, je peux emprunter un peu. Absolument. Je pense que nous devons partir maintenant. Rappelle-toi qu'on a un rendez-vous demain matin avec le client. Ouais, c'est vrai. Penses-tu qu'il va aimer le design? Ah, évidemment qu'il va aimer, on l'a fait toi et moi. J'espère vraiment. On y va? Ouais, on y va. Ok. Voici les termes du contrat, juste ouais. Ici. Oui. On a essayé nous de le faire. Nous pouvons également déplacer cela et déplacer également celui-ci. Et placer cela un peu plus devant. Alors, aimez-vous le design? Oui, oui, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment beau, c'est simple et c'est beau. Tranquille, ça va. Heureux que vous aimez. Nous avons essayé de vous apporter quelque chose d'inédit tout en restant concentrés sur votre standard de construction et voilà le résultat. Eh bien, je vois que vous avez fait un bon travail, un gros travail même, donc c'est bien, félicitations. Oui, nous avons pris notre temps, merci. Monsieur. Alors, ça veut dire que vous allez choisir celui-là, vous ne voulez rien changer? Oui. Je vous dis la vérité, quand vous m'envoyez les autres designs que j'ai rejetés, j'ai vraiment pensé à annuler le contrat et à vous mettre dehors, franchement. Mais maintenant, je suis vraiment heureux d'avoir attendu. Et là, c'est ça que je voulais exactement, ça. Merci. Merci, monsieur. Mais vous savez qu'on ne peut pas commencer la construction si on n'a pas eu le reste de l'argent.
Je savais que tu avais parlé de l'argent, mais c'est pas un problème, ne vous inquiétez pas. Quand on va finir ça, je vais parler à ma société, ils vont vous transférer de l'argent et comme ça, j'aurai les trucs dans les délais, quoi. J'aurai le travail dans les bons délais. Merci beaucoup, monsieur. Bien. Merci. Eh bien, c'était un plaisir. C'est un plaisir. Vous aussi, monsieur. Passez une bonne journée. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, merci. Passez une bonne journée, monsieur. Merci, monsieur. Oui. Oui. Love is magical, unconditional. Désolé. Ooh, yeah. Unpredictable, but so beautiful to know the feeling of love. Pourquoi tu es si excité? On vient de te payer. Quel salaire même? Laissez ça, moi j'ai une très bonne nouvelle. Alors quelle est la bonne nouvelle? Regarde, le client vient juste de quitter le bureau quand j'ai écouté nos patrons en train de célébrer. Tu sais ce que ça veut dire? Le client a aimé le plan. Tu es sérieux? Oh, c'est tellement génial. Cela veut dire que ton boss a fait un bon travail. Bien sûr, que le client soit impressionné. Tu peux toujours le dire. Toujours le dire. Waouh, ceci doit être célébré. Oui, exactement. Ça veut dire que ton travail ici est terminé, n'est-ce pas? Malheureusement, oui. Bien, tu vas me manquer. Je commence à m'attacher à toi. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne se reverra plus, non? Bien, mais ça ne serait pas comme quand tu travaillais encore ici. Ça veut dire que je vais te manquer. Bien sûr, bien sûr. Tu es drôle, bonne compagnie, vif, intéressant, une personne un peu ennuyeuse. Oh. Oui, à chaque fois que je viendrai au bureau, j'aurai hâte de te voir. Et je pense que je ressens... Je veux dire, tu vas me manquer. Bien, oui, oui. Tu vas me manquer aussi. Love is magical, unconditional, so emotional. Je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse que nous avons fini avec ce design, franchement. Nous avons envoyé tellement de designs et il les rejetait tous. Je crois qu'il attendait plutôt le mien, tu vois, alors. Je suis contente qu'il ait aimé notre travail. Non, c'était le nôtre. On a travaillé ensemble là-dessus, alors. Oui, nous l'avons fait. Alors j'imagine que c'est la fin, n'est-ce pas? De ce contrat? Également, on ne se verra plus. Quoi? Tu ne voudrais plus me donner de nouveaux contrats? Ne sois pas idiot. Bien sûr que j'aurai de nouveaux contrats, mais je veux dire, nous n'allons plus travailler dans le même espace, dans le même bureau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, je vois, je vois. Alors j'imagine que on n'aura plus d'autres occasions pour le faire. Est-ce que tu voudrais me voir plus souvent? Tu sais, il y a quelques semaines, ma réponse aurait été un grand non. Mais maintenant... Quoi? Mais maintenant, je... Je sais que je le veux. Est-ce que ça te dirait qu'on aille manger toi et moi ce soir? Est-ce que... Tu me proposes un rencard? Oui, effectivement. Ok. C'est oui? Oui. Love is everywhere. Love is everywhere. Open your eyes and see. Let go of the hurt. Ooh, yeah. You can make it through. Je suis venu pour demander si vous êtes prêt pour partir. Oui, oui. Pourrais-tu m'aider avec mon ordi? Oui, bien sûr. Donc, on se voit ce soir.
Bien sûr. J'ai toujours voulu le faire. Bon bah, prenez soin de vous. Bien monsieur. Prends soin de toi Amanda. Quelqu'un va à un rendez-vous cette nuit? Non, je n'irai à aucun rencard ce soir. Nous allons juste avoir un dîner. Bien, une sortie avec une personne de sexe opposé à appeler rendez-vous. Que ce soit une simple sortie ou non. Tu n'as rien d'autre à faire aujourd'hui? Oui, madame. Quelqu'un raisonne comme une personne amoureuse. Tu apprécies le repas? Ouais. Je souhaiterais avoir un plus gros estomac. Comme ça, j'aurais pu manger un peu plus. Vraiment? Oui. N'as-tu pas aimé le repas? Ouais, c'était passable. C'était pas extraordinaire, mais bon. C'est pas besoin d'arriver à ce niveau où tu veux déjà lui faire un câlin. Je veux dire, j'ai déjà fait bien meilleur que ça. Toi? Je dis ça, je dis rien. S'il te plaît, cuisiner n'est pas donné à tout le monde. Quoi? Mm-hmm. Tu doutes de mes capacités culinaires là? Est-ce que tu douterais de ses mains? Non, pas du tout. Je dis juste que tes mains ne ressemblent pas à celles d'une personne qui sait cuisiner. J'ai des mains magiques, tu sais. Tu sais quoi? Je vais préparer pour toi. Viens à la maison, tu verras. Et je te préparerai le meilleur repas que tu as jamais eu. Sérieusement? Alors tu peux aller dans un restaurant à côté, prendre de la nourriture, le mettre dans la marmite et te faire passer pour celui Pourquoi qui a préparé. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi ferais-je? Tu sais quoi? Je le ferai en face de toi. Ça te va? Je suis un chef. Je te dis, ça va pas être un repas, ça va être de la cuisine. Je suis impatiente. La cuisine. Tu es sûr? Bonsoir, monsieur et dame. Certain. Salut. Je suis contente de vous revoir ensemble. Vous savez, beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois. Oh, waouh. Je suis contente d'entendre ça. J'espère vous voir comme ça pour toujours. Qui serait heureux de nous voir tous les deux s'entendre? Je vous laisse profiter de votre soirée et après je vous envoie le menu. Bon appétit à vous et bonne soirée. Peu importe. Bref. Oh. Un instant s'il vous plaît. Oh. Bonjour. Salut. Bienvenue, bienvenue. Merci. Waouh. Ta maison est très belle. Oh, merci beaucoup. Très jolie. Ouais. Merci, merci, merci. Ok, allons-y manger la nourriture que tu as achetée. Oh, bien sûr que non. Tu sais quoi, j'ai juste mis tout en ordre dans la cuisine.
Je voudrais que tu sois avec moi du début jusqu'à la fin, ok? J'ai hâte de te voir perdre le contrôle en cuisine. Je ne vais pas manquer une minute de la scène. Montre-moi le chemin. Ok, on verra. Ok. C'est par ici. Je te suis. J'espère que ce que tu as fait ne va pas m'empoisonner. J'attends juste l'expression de ton visage lorsque tu vas goûter. Tu verras que c'est bon. Ok, c'est de la bouffe de haut niveau. C'est bon, je me lance. Normalement, on devait montrer ça à la télé. Est-ce que je peux goûter la nourriture? La cuisine. C'est pas un repas, c'est de la cuisine. Bon appétit. C'est bon. Je te l'avais dit. Waouh. Je suis un cuisinier hors pair. Mes mains sont bénies. Tu comprends maintenant? Je le fais depuis longtemps. C'est bon, hein? Tu sais, si je n'étais pas là, quand tu as fait ça, j'aurais cru que quelqu'un a fait ça pour toi. C'est pourquoi j'ai insisté pour que tu puisses assister à tout le processus et tu vois la puissance de ces doigts. La banane plantain est tellement bien grillée. C'est la texture parfaite, n'est-ce pas? Je ne peux pas m'arrêter de manger. Ça me fait plaisir de savoir que tu aimes ma cuisine. Ok, de la cuisine de haut niveau. Tu sais, rares sont les hommes qui savent cuisiner. Avec la nourriture? Je pense que ce serait plutôt moi qui ferais ce genre de choses pour les femmes parce que je sais que je prépare mieux que beaucoup d'entre elles, n'est-ce pas? C'est clair. Et aussi, qu'importe la femme, elle aura de la chance de t'avoir. Oh, allez, dis pas ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est vrai. Tu es une bonne personne. Et aussi, tu es très fou. Mais surtout gentil. Ton ex était folle de t'avoir trompé. Ton ex est celui qui a été encore plus fou pour pouvoir te tromper. Je ne peux pas faire ça. Tu peux pas faire quoi? Je ne veux pas me tromper une fois de plus. Écoute-moi. Je serais un fou si je m'amusais. Ok? Tu es une femme magnifique, un peu dure sur les bords, mais à l'intérieur, tu es une femme extrêmement tendre. Tu es juste un don du ciel. Oui. Tu es une femme merveilleuse. Cela signifierait énormément si seulement je pouvais t'avoir. Est-ce que tu promets de ne pas me briser le cœur? Je serais un fou si c'était le cas. Écoute, je t'aime, Kimberly. Vraiment. Je t'aime également. Je pense que je vais m'en aller. Il se fait tard dehors et je dois partir. Ok. Appelle-moi une fois que tu arrives à la maison, ok? Bien sûr. Merci d'être venu, Kimber. Laisse-moi t'aider à débarrasser. Non, non, t'inquiète, je vais le faire. T'inquiète. Tu es sûr? N'en fais pas. Tu es sûr? J'en suis sûr. Tu débarrasseras une prochaine fois. Ok. Où sont tes affaires? Désolée. Mon sac. Merci. T'as oublié quelque chose? C'est qui cette fille qui vient de sortir de chez toi? Non, mais qu'est-ce que tu fais chez moi, toi? Hein? Et comment oses-tu appeler l'amour de ma vie de la sorte? L'amour tu es de malade? Ta vie? Oui. Donc maintenant, tu as l'amour de ta vie. Je pense que tu vas essayer d'arranger les choses dans notre relation. Dans notre? De quoi est-ce que tu parles? De quelle relation est-ce que tu parles?
Il n'y a plus une seule relation entre toi et moi, tu m'entends, ok? Tu ne mourras plus jamais. Plus jamais, je te dis. Et plus vite tu enregistreras cela, et mieux on se portera, toi et moi. Je vais jamais accepter, je t'aime toujours. Ça me regarde pas le moins du monde, tu sais. J'ai fait mon deuil depuis longtemps, depuis très longtemps déjà. Enregistre ça dans ta tête, c'est mieux. S'il te plaît, bébé. Hey, je t'ai dit de plus jamais me toucher, t'as perdu la tête. Pardon. Sors d'ici. Pardon. S'il te plaît, bébé, je veux pas partir quelque part, s'il te plaît. Pardon, je veux pas partir. Pardon. Hey, sors d'ici. Ne me pousse pas à bout, ok? S'il te plaît. Sors d'ici. Et tu sais quoi, ma petite amie viendra de temps en temps ici. Je veux plus jamais te revoir. Parce que ma petite amie viendra ici très souvent. Et je ne voudrais pas qu'un jour elle puisse voir ton visage à l'entrée. Ne me pousse pas à te traîner dehors de force parce que je le ferai. Je veux pas. S'il te plaît, va-t'en. Allez, va-t'en. Tiens, prends ton sac. Sors de chez moi. Ne reviens plus jamais, s'il te plaît. Ne reviens plus jamais ici. C'est pas possible. Entrez, s'il vous plaît. Alors, quoi de neuf, Bo? Bonjour, monsieur. Ah, boss, peu importe la personne avec qui vous causez, elle vous fait vraiment rire. On peut entendre votre voix jusque dehors là-bas. J'espère que c'est un client. Et bien, la joie qu'elle me procurait supérieure à tous mes clients réunis, tous les clients, tous réunis. Le simple fait d'écouter sa voix me remplit de joie durant toute la journée. Oh, donc vous êtes tombé amoureux? Là, je suis totalement amoureux. En fait, je plaide même coupable. Je suis tellement tombé amoureux que j'ai l'impression d'être sur le dos des anges en train de dormir. Ah, et je crois que c'est la personne que j'imagine. Si tu parles de Kimberly, laisse-moi te dire, t'as tiré droit dans le mille. Tu m'as l'air bien content. Tu m'as l'air même plus content que moi. L'excitation ne peut pas définir ça. Je suis fou de joie, monsieur. Cela voudrait-il dire que vous êtes officiellement en train de sortir ensemble? Oui, on s'est avoué récemment nos sentiments réciproques. Ah, Amandia doit attendre ça. Un instant, attends. Pourquoi j'ai l'impression que vous êtes derrière tout ça? Tu allais le dire à Amanda, hein? Pourquoi j'ai l'impression que toutes les coïncidences qu'on a traversées, vous étiez derrière tout ça? Bien, monsieur, c'est ce que ça doit être, vous voyez? Enfin, qui ne serait pas content de savoir que leurs patrons sont en train de s'aimer? T'as raison. En fait, je me rendais directement à son bureau. J'aimerais l'emmener quelque part pour le dîner. Oh oui, monsieur. Est-ce pour un déjeuner? À notre dîner? Mm-hmm. Il en est hors de question. Je veux pas que tu sois la troisième roue du carrosse. Suis-moi juste à son entreprise et puis on revient ici. Je voudrais pas t'avoir dans mes pattes. J'en posais beaucoup de questions et je voudrais okay, vraiment boss. Pas ça. Dépêche-toi, on y va. Ok. Yeah, yeah, yeah. Oh. Oh, oh. Yeah, Madame. Oh, je suis désolée, Amanda. Je ne t'ai pas entendu rentrer. Certainement, à quoi vous pensez doit être tellement triste. Ce n'est pas un quoi, mais c'est à qui je suis en train de penser. Qui? La personne doit être vraiment importante. Mmh. Je pense que c'est la personne que j'ai en tête. Tu parles de qui exactement? Bien, j'espère que c'est... Bonjour, mon amour. Tu es magnifique. Merci beaucoup. Est-ce que tu es prête? Oui, en effet. Salut, Amanda. Maintenant, tu connais la source de ma joie. Oui. Je suis vraiment
contente pour eux. Voir les deux amoureux. Si excitant. Mm-hmm. Je suis très content du résultat de notre travail. Tu sais, nous avons fait un très bon travail. Ça, c'est vrai. Nous formons une bonne équipe. Nous devons considérer d'oublier quelque chose de plus important. Sérieux? Oui. On ne fera pas juste une bonne équipe, on fera la meilleure équipe. Tu sais, on est parfait l'un pour l'autre. Bien. Qu'est-ce que tu essayes? Qu'est-ce que tu essayes de dire, Bolaji? Quelque chose que je voulais dire, ça fait un bout de temps. Tu sais, depuis que je t'ai vu dans le bar, j'étais attiré par toi, mais je savais pas quelle était la vraie raison. Même approcher de toi a fait que je t'ai connu. Je crois que tu sais ce dont je... Écoute, Amanda, je ne suis pas parfait, mais je sais que je suis parfait pour toi. Je suis tombé amoureux de toi. Je t'aime. Oh, je sais pas quoi dire exactement maintenant, mais je suis amoureuse de toi aussi. Love is magical, unconditional, so emotional, ooh, yeah, unpredictable, but so beautiful to know the feeling of love. Love is everywhere. Love is everywhere. Open your eyes and see it. Yeah. Let go of the hurt. Ooh, yeah. Love can make it through. Love can reach out to you. To you. When you know it is true. First you get so addicted, intoxicated, yeah, with the magic of love. Then it hits like a sickness, so complicated, the magic, yeah, of love, yeah. Everyone has a weakness, you can't resist it, the magic, ooh, of feeling of love. Of love. That's the feeling of love. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ooh, 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 ooh. Yeah, yeah, yeah. Of love. That's the feeling of love. Yeah, yeah. Love is everywhere. It's everywhere. Open your eyes and see. Oh, yes. Let go of the hurt. Ooh, 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 yeah. Love can make it through. Oh yes. Love can reach out to you. Wow, monsieur. Je rêve ou bien c'est ce que je crois? Moi, ouais, je veux la demander en mariage aujourd'hui alors. Oh wow, félicitations monsieur. Pourquoi est-ce que tu me félicites? Elle n'a pas encore dit oui, hein. Tu sais, elle pourrait très bien dire non. Oh non, comment pourrait-elle dire non à l'amour de sa vie? À côté, vous devez commencer à préparer votre mariage. Comme ça, j'aurai des idées pour le mien. Le tien? Oui. Quoi, Amanda et toi? Exactement. C'est fou, hein. C'est comme si on les partageait. Le patron qui épouse la patronne, l'assistant qui prend l'assistante. Exactement, monsieur. Tu sais, je ne peux plus attendre pour épouser Kimberly. J'ai tellement hâte qu'elle soit mienne à présent, tu sais. Je vois, mais vous devez faire très vite pour que tout le monde sache qu'elle n'est plus un corps à prendre. Exactement. Mais regarde ce bijou. S'il vous plaît, monsieur, je peux voir la bague? Oui, bien C'est sûr. C'est trop magnifique. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a laissé rentrer dans mon bureau? C'est pas nécessaire, je suis déjà là. Non, mais tu te rends compte? Je vais directement la suspendre. Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Parce que je suis venu dans ton bureau? Pourquoi tu me détestes? Je ne te déteste pas, je veux juste pas que tu sois à côté de moi. Parce que ta présence me rappelle des choses extrêmement douloureuses, c'est tout. C'est... Hey, touche même pas à ça. C'est un pneu de rechange. Tu me demandes qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas évident que c'est une bague? Tu veux demander un mariage à cette fille? Hey, je t'interdis de parler ainsi de la femme que je vais épouser. D'accord. Pourquoi tu veux demander un mariage? Qu'est-ce qu'elle a que j'aime pas? Joli visage, belle forme, fesses, quoi? C'est ce qui est nécessaire selon toi, hein? Un beau visage et un beau corps pour toi, c'est tout, quoi. Dis-moi, à part le sexe, qu'est-ce que tu m'as offert dans cette relation? Non, vas-y, dis-moi. Non, dis-moi. Kimberly a des tonnes de qualités de véritable femme que tu ne pourras jamais avoir. À présent, sors de mon bureau, s'il te plaît.
une dernière chose. Que ce soit la dernière fois que je te vois proche de moi. La prochaine fois, je te promets que j'appellerai la police pour t'arrêter. Et ça, je t'en donne ma parole. Sors d'ici. Franchement, Freeze, le harcèlement. Non, mais c'est quoi ces manières? Désolé, monsieur. Mais comment est-ce que tu... Est-ce que tu savais qu'il n'était pas à son poste? Je ne savais pas, monsieur. Tu es sûr que tu ne la couvres pas? Désolé, monsieur, je ne savais pas. Peut-on faire des choses comme ça? Cette femme est une tarée. Un vrai démon. Je me demande bien comment j'ai pu finir avec quelqu'un comme ça. C'est bon. À quoi est-ce que je pensais? C'est bon. Tout ce que nous devons faire, c'est de remercier Dieu qu'aucune vie n'a été prise. C'est la chose la plus importante. Je suis désolée. Boss, comment vous vous sentez? Oh, pas très bien, en fait. Je me sens pas très bien, pour être honnête. Ne t'inquiète pas, tu iras mieux bientôt. Avec le médicament que le docteur a donné, tu vas te rétablir très vite, mon cœur. Ne t'inquiète pas, heureusement tu n'as rien eu de grave. T'inquiète pas, tout ira bien. Désolé. Patron, ne vous inquiétez pas, je suis sûr que vous allez vite vous remettre. Au moins, nous aurons assez de temps pour planifier le mariage. Quel mariage? Le nôtre. Notre mariage. Tu sais, je voulais tellement le faire au restaurant, en fait. Mais mieux vaut tard que jamais. Non, 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 non. Non, 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 un instant. Je suis désolée. Kimberly. Oui. Montre-moi le véritable sens de la mort. Toi qui es la véritable définition de la beauté. C'est un véritable honneur de t'avoir dans ma vie. C'est vraiment sincère. Et j'aimerais que cela soit permanent. Kimberly, est-ce que tu voudrais m'épouser? Oui. C'est un bébé, oui. Oui. Merci. Es-tu maintenant prête à payer les taureaux? Quelle vache! Ah, je pensais que c'est toi qui disais qu'on allait leur payer des taureaux pour leur mariage. Est-ce que c'est écrit sur mon front? Oh, ok. Quoi? Pourquoi tous les deux vous nous regardez comme ça? Nous avons permis ceci. À partir du jour du déjeuner, du musique de jazz et le contrat. Oui, on a fait paraître comme une coïncidence. Je ne sais pas si je dois être fâchée ou reconnaissante. Bébé, je pense qu'on devrait être reconnaissant, ok? Parce qu'à cause de ces deux malades... Oui? Nous allons devenir une famille. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi.